revoilà. Es-tu maintenant prête à partir pour Sky? Je vais découvrir le mal qui afflige les tiens, quelle que puisse être sa nature. Nous y voilà, l'île de Sky. C'est magnifique, non? Selon toi, où dois-je aller en premier? Rends-toi d'abord à Kiltara Glen. C'est là que les gens ont commencé à se plaindre des cauchemars. Et c'est là que j'habite, si tu as besoin de moi. Comment vas-tu? Je suis là pour... Un aigle! Un aigle va causer notre perte à tous! Je l'ai vu en rêve! Bon, lui, il ne va pas me dire grand-chose. Les cauchemars sont sévères par ici. Toi, que peux-tu me dire sur les cauchemars qui accablent tout le monde? Te dire... Inutile que je te les décrive. Tu les subiras bien assez tôt. Ces cauchemars se répandent comme la peste. Pire que la peste encore, ils te rongent l'esprit. Descriptif, mais ça ne m'aide pas vraiment. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air... Il faut trouver la guerrière à la tresse. Elle nous fait du mal. Elle vole nos rêves. La guerrière à la tresse? Ça ne peut pas être Ranvi. Où est-elle? Dans une église, au nord-ouest du village. C'est tout ce que j'ai vu en rêve. Trouve-la, et de grâce, laisse-moi dormir. Valka avait raison. Ranvi! Non. Cassandra. Et toi, tu es? Ton adversaire. Cette Ranvi, elle sait se servir d'une hache. Oui, et bien mieux que toi. Ah, je préfère la lance. Toi aussi, tu préfères d'autres armes. Où as-tu eu cette lame? Tu parles beaucoup trop! Ah.
l'impression que nous avons des choses à nous dire. Très bien. S'il le faut. Alors, adversaire, tu as un nom ? Eivor. Et tu es membre de ceux qu'on ne voit pas ? Pas tout à fait. Mais j'admire leur travail. Si tu n'as pas l'intention de parler clairement, autant nous battre. Je n'en fais pas partie, mais j'y ai des amis. Et mes buts sont souvent identiques aux leurs. J'imagine qu'il en est de même pour toi. Oui. J'ai des amis chez ceux qu'on ne voit pas. Et j'approuve leurs actions. Alors peut-être avons-nous plus de points communs que nous ne le pensions. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu faisais ici. Tu viens manifestement de loin. D'où viens-tu ? J'ai tellement voyagé, cela fait longtemps que je n'ai plus aucune attache. Mais le monde grec fut mon foyer, autrefois. Je suis venu chercher un artefact ancien, qui cause de nombreux problèmes sur cette île. Tu parles des cauchemars ? Une voyante m'a dit que celle que je trouverais parmi les morts sur cette île en serait la cause. Cette même voyante qui m'a prise pour une dénommée Ranvi ? Elle devrait peut-être arrêter les champignons. Ainsi, tu prétends ne pas être à l'origine de tous ces cadavres ? J'ai vu ces gens s'entretuer, pris de folie et en proie au manque de sommeil. C'est l'artefact que je cherche qui en est la cause. En temps normal, je l'aurais déjà trouvé, mais ce brouillard rend la tâche, disons, difficile, presque impossible. Si une banale malédiction t'arrête, comment espères-tu affronter le monde des esprits et des rêves ? Une malédiction ? Tu connais bien les secrets de cette contrée, on dirait. Je... Tu n'as rien entendu ? Non, rien. Écoute, quelque chose me dit que nous devrions faire équipe. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, au juste ? L'évidence. Tu veux la fin de ces cauchemars, et moi, l'artefact qui en est la source. Aide-moi à faire disparaître ce brouillard, et nous le trouverons. Après une telle rencontre, tu espères que je ne verrai pas en toi la cause des cauchemars ? Je t'assure que je suis ici pour y mettre fin. D'accord, faisons équipe. Pour l'instant. Bien sûr. Voilà. Tu as de la force. Et tu es bien placé pour le savoir. Je t'ai battu sans difficulté tout à l'heure. Et tu as l'arrogance qui va de pair. Quelle surprise. Voilà une église intéressante. Lors de tous mes voyages, je n'en ai encore jamais vu de telle. Tu es ici pour le paysage ou pour te débarrasser de ce brouillard ? Je profite de ce que je vois, car je ne compte pas m'attarder par ici.
malédiction. Bravo, la malédiction disparaît. Il sera plus facile de trouver l'artefact à présent. J'ai bien fait de te laisser venir m'aider. C'est moi qui ai presque tout fait. Tu commences à m'agacer, toi, dis donc. À la faveur d'Odin, vous allez voir. La privation de sommeil les rend fous. Tout comme ceux que j'ai vus en train de s'entretuer l'autre fois. Alors mieux vaut les abattre avant qu'ils ne nous tuent. On aurait vraiment cru que quelqu'un s'adressait directement à toi pendant ce combat. Il est vrai que l'artefact que je cherche cause d'étranges choses. Mais le brouillard a disparu et il devrait être plus facile à trouver. Comme si une étrangère pouvait fouiller ces collines. Prête à jouer les guides pour moi? Je n'ai jamais dit ça. Si tu veux que je t'aide, dis-m'en plus. À propos de l'artefact que tu cherches, par exemple? Moi, tu en sauras mieux, cela vaudra. Pour toi, tu veux dire? Bon, tiens-tu à ma confiance, oui ou non? Il s'agit d'un objet de grand pouvoir, laissé ici par... par d'anciens dieux. S'il restait sur cette île, il pourrait causer un grand désastre. Pourquoi ne sommes-nous pas victimes du sort, de la malédiction que cet objet semble imposer à tous les autres? Difficile à dire. Ces artefacts ne touchent pas les hommes de la même manière. Même s'ils altèrent la plupart des gens. Peut-être avons-nous la même... force. En tout cas, cauchemar ou non, mieux vaut se méfier de son pouvoir. Si cet objet est si vieux et se trouve ici depuis si longtemps, pourquoi cause-t-il maintenant autant de problèmes? Parce que Loki s'ennuie? Quel sérieux. En vérité, je n'en sais rien. Il faut parfois activer les artefacts. Quelqu'un l'a peut-être touché. Après tout, son pouvoir attire beaucoup de gens. Il les tente. Comment comptes-tu t'y prendre pour le trouver? Ça, c'est mon affaire. Cela fait un certain temps que je traque ces artefacts. J'ai développé une sorte de don pour les trouver. Laura a disparu. Cela devrait être plus facile maintenant. Bien, ne perdons pas de temps. Que faut-il faire? Maintenant qu'il n'y a plus de brouillard, je devrais pouvoir le trouver plus facilement. Mais auparavant, je vais jeter un coup d'œil à cette église. Pour en savoir davantage sur cette contrée. On se retrouve à Topta? Si tu crois qu'examiner une église te suffira pour connaître cette île... Mais, d'accord. À tout à l'heure. Tu as pris ton temps? Je commençais à me demander si cette histoire de dieu et de cauchemar ne t'avait pas fait fuir. J'ai dit que je viendrais. Alors, grande chasseuse d'artefacts, as-tu trouvé celui-là aussi facilement que tu le disais? Pas vraiment. Mais après avoir examiné cette île, je sais où aller. Je vais t'y mener, si tu es prête. Va pour cette prochaine étape. Cette expédition en commun commence à m'agacer. De mémoire d'homme, trouver un artefact oublié depuis une éternité n'a jamais été facile. J'imagine que cela fait longtemps que tu recherches ces artefacts. Oui, un certain temps. Pourquoi une telle destinée? C'est assez étrange, mais mes vacances sont mal tournées. Et depuis, cela est devenu comme une vocation, en quelque sorte. Et que ferons-nous exactement de cet artefact lorsque nous l'aurons trouvé? Je l'emporterai loin de cette île pour le mettre en lieu sûr. Là où personne ne pourra utiliser son pouvoir à mauvais escient. Son pouvoir? Alors c'est une sorte d'arme. En de mauvaises mains? Oui. Une arme qui ne doit jamais être employée. Une arme dont personne ne se sert? Voilà bien le discours de quelqu'un de trop faible pour savoir en assumer la maîtrise. Je comprends que ça te paraisse étrange, mais crois-moi, son pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Il y va de la survie de ton monde.
sommes. Cet ensemble de pierres va nous rapprocher de l'artefact. Je crois que c'est une sorte d'énigme. Bien sûr que c'en est une. Puisque tu as l'air de savoir jouer avec les pierres, vas-y. Tâche de la résoudre. Je sens quelque chose, de la lumière et de la chaleur. C'est tout ? Je ne vois rien. Ça ressemble à l'île de Sky, mais avec une série de symboles. Oh ! Tu veux dire ? Non, ce serait alors... une carte ? Je voulais garder les choses simples, pour toi. Bon, quels sont ces symboles ? Il y a plusieurs triangles. Et une croix, qui n'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'on attend ? Une croix, ça doit être là. Sinon, tu passes tes journées à attaquer les femmes que tu ne connais pas dans les cimetières, ou tu fais autre chose ? Je veille sur les miens. Nous avons une colonie, Ravenstorp. Ah, ça doit être agréable. Ça fait tellement longtemps que je voyage seule. Tu parles comme si... Mais quel âge as-tu, au fait ? Plus que tu ne l'imagines. Mais tout le monde me dit que je fais très jeune. Il est très beau, cet oiseau, au-dessus de toi. Elle s'appelle Sinine. J'ai eu un oiseau, il y a très longtemps. Un aigle du nom d'Icaros. Je préfère les corbeaux. Les aigles sont trop... divins ? Voyants. Tu ne dis plus rien. Tu n'es pas encore sur le point de m'envoyer une hache à la tête. Non, mais je n'aime pas briser le silence pour rien comme toi. Tant mieux. Ce combat m'a épuisé. Je n'ai pas envie de recommencer ça tout de suite. Tu t'es bien défendu, toi aussi, tu sais. Serait-ce un compliment ? Il n'y a rien ici. Tiens-toi là. Pourquoi ? Tu n'as pas confiance. Fais au moins semblant, ça ira plus vite. D'accord. Comment savais-tu que... J'ai beaucoup d'entraînement. Une autre embuscade ! Ils doivent être attirés par le temple. Au moins, ils sont persévérants. Arrête de poser des questions et bats-toi. J'ai déjà vu cela. Il va falloir des éclats... des clés. Et les placer sur ce socle. Et cela devrait ouvrir... Non. Il faut qu'on parle. Les gens qui nous ont attaqués... Était-ce ta langue qu'ils parlaient ?
Je te l'ai déjà dit, l'artefact les a rendus fous. Cassandra! Eivor, quand vas-tu comprendre que je suis là pour vous aider? Non, tu mens, et j'en ai la certitude. Ai-je fait autre chose qu'apporter mon aide depuis que je suis là? Lors de la première attaque, ces gens semblaient te connaître. Cette fois, ils parlent ta langue. Ne fais pas injure à mon intelligence. Il est possible que mon arrivée sur l'île de Skye ait pu activer les pouvoirs de l'artefact. Mais ce n'est pas certain. Et même si c'est le cas, c'est une raison de plus pour que je l'emporte au loin. Non, c'est surtout une raison pour que tu partes et que je l'emporte moi-même. Tu en as assez fait. Je n'ai pas confiance en toi, Cassandra. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Tu as besoin de mon aide. Je sais parfaitement ce que je dois faire. Et si ces hommes en ont après toi, continuer seul sera beaucoup plus facile pour moi. Eivor, je t'en prie! Les pouvoirs de cet artefact dépassent tout ce que tu connais. Rien n'est trop puissant pour moi. Et puis je suis sûre que je ferai meilleur usage de cette arme que toi. Oh, très bien! Je t'ai assez vu de toute manière. Tu es impossible! Trop d'arrogance, Eivor. Et cela te perdra! Achever mon rite sacré pour les fées. Oui, oui, comme ça. Tu veux bien avoir la gentillesse d'entrer dans la mare aux fées afin que je t'offre en sacrifice. Tu me demandes le droit de me tuer? Depuis que les cauchemars ont commencé, les fées me chuchotent qu'elles me donneront de grands pouvoirs en échange de doux sacrifices. Pour me remercier, elles m'ont même conduite à l'un de leurs trésors, un très bel éclat. Alors, entre dans la mare. Les fées sont malicieuses. Tu es sûre que cet éclat ne t'embrouille pas l'esprit? Cela fait quelque temps, en effet, que je ne suis plus moi-même. Tu as peut-être raison. Emporte cet éclat loin de moi, s'il te plaît. J'ai tous les éclats. Allons ouvrir le temple et mettre fin au cauchemar. Qui aurait pu imaginer un tel lieu sur l'île de Skye?
Non. En voilà d'autres. Je m'en sortais très bien, tu sais. Très bien, tu dis. Tu étais sur le point de te faire embrocher. Je vais te défendre. Tu n'avais pas besoin de moi. Reconnais-le. Je t'ai manqué. Je vais le dire autrement. Tu n'aurais pas dû venir. Je sais que ma présence complique un peu les choses. Si ces gens m'attaquent, c'est à cause de toi. Je sais, je sais. On pourrait peut-être en reparler quand ils seront morts, non? J'aurais dû t'avouer que ma présence avait activé l'artefact. Pardonne-moi. Et je sais qu'elle complique aussi l'accès à l'artefact. Complique? Sans toi, personne n'essaierait de me tuer en ce moment. Oui, oui. Mais crois-moi, tu auras besoin de moi quand nous aurons atteint l'artefact. Comparé à son pouvoir, ces gens ne sont rien. Donc je vais devoir te supporter, c'est ça? Ce n'est rien. Tu vas t'y faire. Ah. J'ai déjà vu ce genre de mécanisme. Je m'occupe d'allumer la lumière. Toi, dirige les rayons vers les plateaux, près de la porte. Donc, je peux déplacer ça, je vois. De moins. Plus qu'un. Ça y est, ça s'ouvre. Ah, enfin. Ces peaux et ces armes sont très étranges. Ils viennent de chez moi. Et qu'est-ce qu'ils font ici? C'est une illusion créée par l'artefact. Et par ta présence, je suppose. Oui, mais...
mal juste pour ça. Garde-la. Reconnais-le, nous formons une belle équipe. Ce n'est pas si désagréable de travailler avec toi. Mais pour ce qui est d'obéir aux ordres... Un peu d'indulgence. C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un depuis... très, très longtemps. Tu dois te sentir seul. Parfois, oui, je le reconnais. Mais ma destinée est de suivre ce chemin. Quoi qu'il en soit, je dois repartir. Il n'est jamais bon pour moi de rester au même endroit. Merci pour ton aide. Vraiment. Attends. Les hommes du Nord fêtent leur victoire. Et comme, finalement, tu t'es montré utile, viens donc boire avec moi. Je ne sais pas trop. Je préfère éviter d'être aperçu par trop de gens. S'ils boivent, les gens, personne ne voit jamais rien. Après tout, qu'est-ce que je risque ? Un gros mal de crâne demain matin si on passe un bon moment. On se donne rendez-vous à la maison longue de Kiltaraglen ? Entendu. Te voilà ! Prête pour cette coupe ? D'accord, entrons. Qu'y a-t-il ? Il y a... beaucoup de monde. Cela fait longtemps que je n'ai pas assisté à une fête. Ça me rend... nerveuse. Ce n'est pas comme si tu y allais seule. Je serai là. Je crois que tu as raison. Allez, entrons. D'accord. Eh bien, me voilà prête à boire, et toi ? J'ai toujours voulu goûter à l'hydromel. Ça ne peut pas être pire que le vin de Marcos. Show!
Eh bien, tu tiens l'hydromel. Mais si on avait bu du vin, j'aurais gagné. Du vin? C'est pour les enfants. Pas celui du vignoble de Marcos. Ce vin effacerait la peinture d'un vase. Marcos? C'est qui, Marcos? Un vieil ami qui faisait un vin épouvantable. Malaco. Malaquoi? Tu as vraiment trop bu, toi. On ne comprend pas ce que tu dis. Non. Non, c'est un juron grec. C'est Malaka. 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 Voilà. Très bien. À moi de t'apprendre quelque chose. Les jeunes époux sont parmi nous. Est-ce qu'on est à un mariage? Tu ne croyais quand même pas que tous ces gens étaient là pour rendre hommage à nos exploits? Allez, viens, qu'on se joigne à leur petite fête. Oh! Ce n'est pas vous les héroïnes qui ont sauvé l'île et notre mariage? J'en ai fait un peu plus qu'elles. Mais oui, c'est nous. Nous aimerions beaucoup que vous leviez votre coupe à nos épousailles. On vous connaît à peine. Que pourrions-nous dire? Mais vos exploits ont fait de notre mariage un jour inoubliable. Allez, comptez-nous vos prouesses. Moi, ça me plairait bien. Et toi, Eivor? Entendu. Allez, Cassandra, faisons quelque chose d'intéressant ensemble. Qu'est-ce que tu as en tête? Une joute verbale, évidemment. Ah, je n'ai jamais essayé ça. Mais sache que j'ai débattu avec de très grands philosophes. Cesse les vantardises et montre ce que tu vaux. Ce jour, étrangement commencé par un lancer de hache en vue de me tuer. Et je vis Eivor, téméraire et en furie. Tu regrettais de ne pas savoir te battre. Elle n'est pas très douée, n'est-ce pas? Il fallut force embuscade et un temple poussiéreux pour que mon talent trouve grâce à ses yeux. Son cœur de nordique, j'ai enfin dégelé. Et en dépit de ses grands défauts, j'accepte son amitié. Franchement, je m'attendais à mieux. Je me suis occupée des traques, et Eivor des traquenards. Et ensemble, nous avons chassé de Sky les cauchemars. Enfin, aux 12 époux, nous disons en ce jour... Que ce soir, enfin, votre sommeil sera lourd. C'est une fin assez lamentable. C'était... quelque chose. Vous devriez peut-être en rester aux exploits et les laisser compter par des scalds. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été au centre de l'attention. Et qu'en penses-tu? Ça me rappelle des souvenirs. Merci de m'avoir invité ici. Ce n'était rien. Si, crois-moi. Merci. J'en avais besoin. Énormément besoin. Ah,
t'en allais aider la jeune mariée à se débarrasser de ce crétin. Tu veux dire de ce Malaka? C'est ça. Merci. Vous avez sauvé mon mariage. On l'a sauvé deux fois, tu veux dire. C'est bien normal, ma petite dame. Edith, tu es là pour le mariage ? Naturellement, la mariée est ma cousine. Et surtout, je devais te remercier. Tu as réussi à aider mon peuple, après tout. Sans quoi, nous ne serions pas là à faire la fête. Je n'étais pas toute seule. On m'a un peu aidée. Certes, certes. Valka t'a mise sur la voie. Mais avait-elle raison, finalement ? As-tu fait tes adieux à cette Ranvi, comme elle en avait fait prédiction ? Non. Ranvi n'est jamais venue sur l'île de Sky. Ah, eh bien, même Valka peut se tromper. Enfin, c'est une bonne chose que tu n'aies pas dû dire adieu à une amie. Quelle